Réveil tardif aujourd'hui. C'est notre première vraie nuit tranquille au Maroc, et autant te dire qu'on en a bien profité. On commence la journée avec un bon petit déj, on discute une dernière fois avec nos hôtes, et direction Imrit pour 200 km. Non. Ouais. Kawasaki. Ouais. Là au Maroc, on ne sait pas. Non, hein. On profite du passage de la ville de Meknès pour faire le plat des motos et enchaîner sur le reste du voyage. Malheureusement, on prendra pas le temps de visiter Meknès et ses monuments majestueux comme la porte de Bam Mansour Gait de Meknès. Imrit, petite ville très accueillante et dernier endroit où l'on pourra se ravitailler en eau et en essence avant la traversée du Moyen Atlas pour arriver à la ville de Boumia. On y prendra des forces avec une petite salade marocaine et un petit thé à la menthe pour se rafraîchir. Jusqu'ici, nous n'avons roulé que sur des nationales, mais maintenant, nous nous lançons sur des départementales. Ces routes ont la réputation d'être peu entretenues et en mauvais état. C'est bien des bouchons. Je te l'avoue, ça m'a surpris. En fait, on arrivait sur un lieu touristique, la source Oumbabia. Beaucoup de Marocains viennent s'y baigner. Et le problème, c'est qu'ils ont fermé la route pour accéder à la source. Et cette route, c'est la route qu'on doit prendre. Oh,
En fait, là, ça nous renvoie ici. Mais il dit qu'on peut passer par la montagne, mais... Ouais. C'est possible ? Ah, super, merci. Bonjour, merci. Au final, on négocie quelques minutes et il nous laisse passer. Et je te l'avoue, c'est pas plus mal. Ça nous évite un détour de 150 km. Coucou. Ça va ? Bonjour. Tu me regardes des sources ? Pardon ? Tu me regardes des sources ? Non, nous on va continuer. On va continuer, regarde. On veut aller à Boumia. Boumia ? Ouais. C'est là, c'est par là ? Voilà. C'est bon ? Nickel. Il y a un bon restaurant là-bas. On a déjà mangé. On a mangé à Mir. Mir. Ouais, on a mangé là-bas. Ouais. Merci. Non, on va continuer. On va continuer. Merci. C'est bon, on est sur la bonne route. Ouais, c'est bon. C'était bien le bordel ce passage, mais au final on s'en sort bien. Allez, plus que 100 km pour arriver à Boumia. On est passé d'une route goudronnée à une route en terre en une fois. Et qu'est-ce que ça fait plaisir de faire du chemin. Putain, c'est bon. C'est super bon. T'as vu ce décor? Ouais, comme tu peux l'entendre, on se régale. C'est nos premiers vrais kilomètres à off-road. Et qu'est-ce que c'est bon. Ces forêts de cèdres, ces plaines, cette fraîcheur. Parce que oui, il ne faut pas oublier que nous sommes bien en altitude. Là, on vient de parcourir une soixantaine de kilomètres en chemin. Maintenant, nous allons redescendre du Moyen Atlas pour rejoindre cette grande plaine qui sépare les deux massifs montagneux, le Haut et le Moyen Atlas.
On arrive sur la petite ville de Boumia à 20h30. On trouve un hôtel juste à l'entrée de la ville. Après avoir mangé un genre de petit kebab et une visite des alentours, on est allé se coucher pour être fin prêt pour la rencontre avec le peuple berbère des montagnes et le passage des cols du Haut Atlas à plus de 3000 mètres d'altitude qui nous sépare du désert du Sahara.